Salut à tous, c'est bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou Ça va très bien à toi. Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui. Ça y est, elle est là. Elle est là. La vidéo des decks budget. Les gens, ils hurlent, ils éruquent. Ils sont très très contents parce que c'est la vidéo la plus attendue euh, à chaque début. Au début, vous attendez le top 5, la petite spoiler et tout. Une fois que c'est sorti, je suis genre ah ok, c'est ça les cartes. Bon, maintenant, c'est quoi les cartes pas chères là Envoyez des decks pas chers, comme ça on rosse et Comment on s'est des On cassées. Exactement, on a cherché, on a investigué pour vous proposer des listes sympathiques euh, en version budget et euh, plutôt nouvelles. Alors, on a pris une qu'on qu avait déjà présentée parce qu'elle est toujours valable. On l'avait dit, il me semble, dans la vidéo, en plus que quasiment toutes les cartes passaient à la rotation. Donc, il y avait de grandes chances que ce soit une des clistes qui, euh, qui était toujours le cas. Donc, c'est Envil Budget qu'on va, qu va présenter en tout premier. Avant ça, pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir si vous y pensez, ça fait plaisir si vous y pensez pas, mais ça fait quand même un peu moins plaisir. Donc essayez d'y penser, comme ça, ça fait méga plaisir et euh, en plus c'est gratos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous êtes environ un tiers à euh, ne pas euh, être euh, abonné à la chaîne en regardant nos vidéos donc c'est gratos ça nous soutient merci à tous et qu'est-ce qui merci nous soutient beaucoup. les sponsors play by play in pardon by magic bazaar code vale 2022 sur la boutique ça donne toujours 50 de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient donc merci à ceux qui utilisent le code une fois par compte par an regalo merci à tous merci beaucoup zou envy Alors... budget les petits decks budget, on précise pour que vous sachiez un petit peu comment est-ce qu'on choisit nos decks budget. Le but ici, oui. ce n'est pas de vous présenter des decks qui ont zéro rare, zéro mythique, que vous allez pouvoir crafter dès que vous arrivez. Non, nous, on a toujours l'optique des decks budget qui ont vocation. À être amélioré entre de, à, euh, en de vrais decks. On va jamais vous faire crafter des cartes qui sont nulles, qui ne seront pas recyclables ou que vous ne pourrez pas jouer dans euh, des decks qui ont vocation à devenir un peu plus compétitifs. Donc tous nos decks budget ont quand même une certaine partie de rare ou de mythique, mais généralement euh, assez peu pour que dès que vous arriviez sur le jeu avec tous les codes que vous pouvez rentrer, toutes les gemmes que vous allez plus ou moins farmés et les golds que vous allez avoir à disposition vous allez être capable quand même de pouvoir directement partir sur un des decks qu'on vous présente donc voilà c'est pas forcément ce qu'il y a de plus budget sur les internets mais on essaie toujours de vous sélectionner un truc justement où putain tu le craft ça y est tu rose quoi mmh. tu, tu peux monter le ladder vraiment bien ouais, ouais. t'as pas la sensation de jouer vraiment un deck budget et c'est ça qui est important pour nous, c'est aussi le plaisir de jeu qu'il y a derrière. C'est ça. Euh, des fois, on vous propose des declists un petit peu moins fortes, mais avec des plans de jeu alternatifs. Là, on a un peu cherché et on trouve que les plans de jeu alternatifs qu'on a pu trouver euh, sont vraiment très faibles. Euh, et du ouais. coup, on n'a pas envie de vous dire, ah, vous pouvez essayer ça et vous allez faire 012 euh, sur le ladder, parce que même si c'est que des communes co au début, ça peut être un petit peu ric-rac. Euh, donc, euh, on a évité pour cette vidéo budget, on vous propose que du solide. Ça, du coup, Envy, avec une euh, version... Euh, c'est la, la, la decklist à moins budget qu'on vous présente aujourd'hui, puisqu'il y a 6 mythiques avec 4 obnixilis, 2 massacres au croût de boucher, et il euh, y a 6 rares avec 2 nats, cauchemar réveillé et 4 sols du brise miroir. Alors, l'obnixilis, euh, c'est joué dans la version non budget de ce deck-là qui a perfait en tournoi récemment, euh, mais c'est tout. Par contre, les autres cartes sont jouées dans plein de decks différents. et seront certainement jouées, notamment le massacre et Fables du brise miroir, tout au long du standard. Pendant encore l'année qui reste où, où ces deux cartes sont jouables. Donc vraiment, n'hésitez pas à crafter ça. Euh, ces cartes-là, c'est à régal. Quel est le plan de jeu de ce deck Le plan de jeu, en fait, c'est un plan de jeu un peu d'attrition. Vous allez euh, épuiser l'adversaire avec vos ressources, avec des cartes qui font ce qu'on appelle du 2 euh, Le La star du deck, le cœur, c'est pour ça que ça s'appelle Anvil. C'est l'enclume du culte des Oni. Parce qu'en anglais, enclume, euh, c'est Anvil. Qui va créer du coup une 1-1 construction que vous voyez à droite à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez quitte le champ de bataille pendant votre tour. Comment on fait ça Eh ben, euh, l'Enclume permet, puisqu'on ça permet de sacrifier un artefact pour enlever un point de vie adversaire et nous faire gagner un point de vie. Donc vous pouvez sacrifier la construction que crée l'Enclume à votre tour pour en recréer une et faire le dinde de vie. Hein. Sinon, qu'est-ce qu'on a On a vol euh, Voldaren qui crée un trésor, euh, un jeton sang, pardon, quand il arrive en jeu qu'on peut sacrifier avec l'Enclume ou sacrifier pour son effet qui va du coup trigger l'Enclume. On a également le Synthétiseur qui est un artefact qui a un effet d'arrivée en jeu. Et au moment où il quitte le champ de bataille pour nous faire euh, piocher virtuellement une carte, on l'exile et on peut la jouer pendant le tour. Du coup, si on la sacrifie avec l'enclume, on n'a pas besoin de payer les 3 manas pour la sacrifier, ça trigger, c'est un artefact, ça se barre, ça fait une construction, tac tac, vous voyez un peu où on va en venir. Euh, les constructions, ça sert à bloquer les créatures de l'adversaire pour ne pas se faire tuer. Vous pouvez no euh, notamment euh, bloquer avec une construction et utiliser l'enclume pour la sacrifier avant euh, de résoudre les dégâts. Comme ça, la créature est tout de même bloquée et vous faites le drain de vie 1. Mais par contre, vous ne créez pas une nouvelle construction parce que c'est pendant le tour de votre adversaire. Mais c'est un play qui se fait, pensez-y, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce trick. C'est très fort. Fondeur du Sokenzan, c'est une 2-2 pour 2 euh, qui vous permet de payer 1 et de sacrifier un artefact au début de votre combat pour créer une 3-1. Donc vous pouvez sacrifier une construction en payant un. L'enclume va recréer une construction et vous créez une 3-1 qui peut attaquer, qui peut bourrer. Ça, ça met beaucoup de pression très euh, rapidement ouais, cette carte. -là. Ça met beaucoup de pression, vous pouvez le faire très tôt contre les jeux contrôle. Ou sinon vous allez plutôt le faire en late game contre les autres decks. Une fois que vous avez un peu épuisé l'adversaire, vous commencez à faire des 3-1 pour attaquer. Ne le faites pas trop tôt, parce que ça vous coûte quand même des artefacts, du mana. Ça, si jamais on vous tue le fondeur, euh, etc. ça peut être ça peut être chiant. On a de la gestion pour ne pas mourir également, En prise infernale qui tue n'importe quoi, exterminé qui tue pas mal de créatures à 1 et 2, voire même à 3, euh, déferlement de voltage qui va également tuer beaucoup de créatures, puisqu'on va sacrifier un artefact pour mettre 4 points de dégâts. Ne sacrifiez pas tout le temps un artefact, ça ne sert à rien, euh, si jamais 2 points suffisent, et vous pouvez même tuer les planeswalkers avec ça. Surtout quand on voit qu'il y a beaucoup de Liliana qui sont jouées, c'est ce planeswalker là, qui du coup euh, vous pouvez la tuer très facilement avec un déferlement de voltage, puisqu'elle arrive à 3, plus 1, 4, donc facile de la tuer. Pour, euh, ah, et j'oublie une carte, le moissonneur de la dîme de sang. 3-2 pour 2, ça crée un jeton sang, donc comme l'épicurien, quand il arrive en jeu, et on peut le sacrifier pour euh, infliger 2 fois X à une créature, X étant le nombre de jetons sang qu'on contrôle, donc avec les épicuriens et le moissonneur, c'est très simple d'en avoir en pagaille des jetons sang, enfin en pagaille, au moins 2 ou 3 sur le champ de bataille rapidement, qui vous permettent de tuer n'importe quoi. Les rares du coup, parlons-en maintenant, massacre au coup de boucher, vous allez payer X et faire moins X, moins X à chaque créature, dont les vôtres, mais c'est pas grave parce que nous on peut les recycler, elles sont là pour mourir finalement. Euh, on va infliger X points de vie à l'adversaire et on va gagner X points de vie. Euh, pas X points de vie, pardon, on va gagner autant euh, de points de vie que les créatures euh, que l'on contrôle. Euh, que l'adversaire contrôle qui meurt, et euh, l'adversaire va perdre autant de points de vie que nos créatures qui meurent. Donc ça va faire des dins de vie ouais. sympas et ça reste sur le champ de bataille comme c'est un enchantement. Donc à chaque est fois, vous avez... Aurez... Ouais, euh, ça c'est très très parce fort. Elle a, elle a beaucoup d'options, c'est-à-dire qu'elle va servir à la fois pour gérer le board de votre adversaire si jamais il devient trop large et qui vient dégénérer. Ça va servir votre plan de jeu parce qu'à chaque fois que vous allez sacrifier une construction sur votre enclume, ben, euh, au-delà d'infliger un dégât, vous allez en infliger un supplémentaire avec votre massacre au croc de boucher. Donc ça cherche, donc du coup, c'est utile pour avoir de la reach, pour pouvoir essayer de baisser les points de vie à distance euh, de votre adversaire. Et en plus, c'est aussi ce qu'on appelle un payoff, donc une carte qui va vous permettre euh, de trouver le létal quand vous la piochez en late game parce que vous pouvez juste sacrifier l'entièreté de votre board et infliger du coup. Tous les dégâts dans la tête de votre adversaire. Donc cette carte là, c'est la star du deck. Voilà. Mmh. Si vous avez deux mythiques à crafter pour jouer Ragnosanville, c'est le massacre corbeau de Boucher, c'est ultimissime. C'est très très fort. Euh, avec ça, les nouvelles cartes du coup qu'on qu récupère, bon, on a vu l'exterminer, mais surtout Nat, que je me réveillé qui va permettre au début de votre étape de fin. Alors je vais vous expliquer bien comment on s'en sert parce que ça peut paraître un peu bizarre. À la fin de votre tour, avec cette 3-3 pour -3, -3, 3, vous pouvez sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un terrain moi plein Plains coeur si vous faites ainsi, chaque adversaire peut sacrifier un permanent qui partage un type de carte avec lui, donc une carte du même type. Et s'il ne le fait pas, s'il n'est pas obligé, il va perdre deux points de vie et vous piochez une carte. Premier intérêt, votre adversaire galère avec un certain type de permanent. Il n'a pas beaucoup de bêtes, il n'a pas beaucoup de landes, euh, il a besoin de, de garder ça. Vous pouvez vous sacrifier facilement. Une créature artefact, par exemple, avec l'enclume, euh, vous pouvez sacrifier un épicurien, sacrifier un de si vous en piochez pas mal. Et l'adversaire, lui, il va pas avoir envie de sacrifier parce que sinon, il prend du retard. Du coup, il va dire non et il va perdre de points de vie, vous piochez une carte. Et vous, ça vous ouais. a pas coûté pas grand-chose. Deuxième fait. L'échange avec votre adversaire est souvent favorable parce que oui. votre deck génère beaucoup de ressources, mais des ressources qui sont petites et faibles. ça. Donc, du coup, l'échange ne sera jamais valable pour votre adversaire. Ça, c'est plutôt très bien. C'est ça. Genre, par exemple, l'épicurien, avec un seul mana, on a une créature et un artefact. Donc, on peut utiliser deux fois la capacité de Nat, une fois avec la créature et au tour suivant avec l'artefact. Euh, ça nous a coûté qu'une seule carte. Et s'il a refusé les deux fois, ça nous en a fait piocher deux. Plus la value qu'on a générée avec ça potentiellement. Donc, c'est assez fort. Et deuxième intérêt, qu'est-ce qui se passe quand on demande à l'adversaire de sacrifier un permanent d'un type qu'il n'a pas Typiquement le jeton sang de l'épicurien. Et bien, comme il ne peut pas, puisqu'il n'a pas d'artefact, il est obligé de perdre deux points de vie et de nous faire piocher une carte. Donc, il y a des situations où en fait vous obligez votre adversaire. À ne pas sacrifier parce qu'il ne peut pas. Et du coup, vous, trigger, vous allez déclencher l'effet de Nat. Et ça, c'est très très bien. Il faut voir, il ne faut pas essayer de faire sacrifier votre adversaire parce que c'est lui qui choisit. Il faut plus voir ça comme une carte qui va vous faire piocher. Et si jamais bah, il choisit de sacrifier, bah, soit ça le met dans la panade soit bon bah, il, a, il était opulent, il avait plein de permanence sur le champ de bataille et il s'en foutait. Dans tous les cas, ça ne change rien, un Nats n'aurait pas été efficace. C'est plutôt euh... une 3-3-3 qui va essayer de vous faire piocher une carte tous les tours voilà. et infliger deux dégâts à votre adversaire, ce qui est vraiment dans ce deck-là très puissant parce que les points de vie de votre, ad de votre adversaire ils descendent très très vite, notamment avec l'enclume, notamment avec le massacre au de boucher, les piqûres et un vol d'arène qui va le pinger de 1 et le fait que vous allez générer rapidement plein de petites créatures sur votre board. Donc vous mettez vraiment une pression, euh, sur votre adversaire tout en continuant tout en continuant à alimenter votre main parce que vous allez piocher des cartes donc Nath elle se met vraiment très très bien dans ce plan de jeu quoi. Ouais donc vraiment euh, vraiment très bon. Euh, ensuite Omnixilis l'adversaire. Alors si vous n'en avez pas 4 c'est pas grave. Hein. Pour ces cartes si vous pouvez pas tout crafter en pile d'exemplaires vous rajoutez euh, un peu d'exterminés, d'emprise infernale, de fondeur du Sokenzan. L'idée c'est d'essayer d'avoir euh, le deck complet comme ça mais si vous manquez un exemplaire par-ci par-là c'est pas trop trop grave. Omnisil est l'adversaire, un Walker, du coup qui arrive pour 3 manas avec 3 marqueurs loyauté. Il a Victime X, euh, ça veut dire qu'en fait vous pouvez sacrifier une créature quand vous le lancez, mais vous n'êtes pas obligé. Et si vous faites sacrifier une créature, euh, vous créez une copie d'Omnixilis qui a autant de marqueurs loyauté que la force de la créature sacrifiée. Euh, du coup, nous, comme on a du, des moissonneurs sur le champ de bataille euh, avant Omnixilis, on essaye d'en avoir un, c'est le but c'est de sacrifier le moissonneur sur Omnixilis pour que l'autre arrive avec 3. Et il a trois effets. Bon, Le troisième, moins 7, un joueur pioché de carte et perd 7 points de vie, vous ne vous en servirez pas souvent. Ce qui vous intéresse, c'est les deux du dessus. Le plus 1, il va faire perdre 2 points de vie à chaque adversaire, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Et si on contrôle un des moins diables, nous on gagne 2 points de vie. Et le 2, qu'est-ce que ça fait bah, Ça crée un diable qui, quand il meurt, il influe une blessure à n'importe quelle cible. Ce n'est pas un plein de hauteur qui est extrêmement puissant. C'est vraiment dans la stratégie, comme on le disait au début, d'attrition. C'est-à-dire que vous allez demander à l'adversaire de défausser. S'il ne le fait pas, il perd 2 points de vie. Avec l'autre omnixilis que vous créez euh, quand vous le, le cassez, puisque vous avez toujours deux omnixilis normalement. Vous allez faire un petit diable. Du coup, vous faites un petit diable qui va bloquer, qui va protéger Omnixilis. L'autre Omnixilis va vous faire gagner deux points de vie tout en faisant perdre deux points de vie. Donc ça fait un différentiel. Et comme ça, pour les décagros, ça va être très chiant de passer pour les decks mid-range comme vous mettez deux plains au cœur d'un coup plus une créature voire deux créatures ça met beaucoup de board avec une seule carte ça met quatre permanents en jeu c'est assez dur de passer euh, les decks contrôle vous allez attaquer leurs mains en leur demandant de défausser ou attaquer leur point de vie de façon euh, régulière donc c'est une carte qui vraiment n'est pas exceptionnelle mais n'est jamais euh, mauvaise c'est surtout dans ce deck-là, elle est particulièrement exceptionnelle parce plus... que vous mettez une vraie pression sur les points de vie de votre adversaire. Donc du coup, là où, euh, quand vous jouez Obnix List dans un deck qui va un petit peu dormir, entre guillemets, mettre du temps à se mettre en place, bah, votre adversaire, il va juste toujours perdre de points de vie et jamais se défausser de sa main. Ici, dans ce deck-là, vous vous avez une pression constante. C'est-à-dire rien que le fait que le diable, quand il meurt, il afflige une blessure n'importe où, eh ben, ça rajoute à la pression de l'Envil, ça rajoute à la pression du Massacre au de boucher ça rajoute à la pression de toutes les petites créatures sur le board qui vont attaquer euh, face à votre adversaire. Et du coup, quand vous faites le plus 1 d'Obnixilis, mais votre adversaire, il a trop peu de points de vie pour accepter d'en perdre 2. Et il va souvent se défausser d'une carte de sa main. Et là, vous avez tout gagné. Et c'est un des rares decks qui permet à Obnixilis de briller de cette manière-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le joue spécifiquement ici, et que c'est ouais. euh, qui qu le reçoit le mieux. Quoi. Très très, euh, très très bon dans le, dans le deck, ouais. Euh, Fable du Brise Miroir, euh, pour 3 mana on a un enchantement saga, donc ça va faire ses trois effets, puis se retourner au troisième effet pour devenir une créature. En premier, on crée un jeton 2-2 euh, de, de rouge gobelin qui crée un trésor quand il attaque. C'est très très bien parce que ça nous permet de, de nous accélérer potentiellement un peu en mana pour faire plusieurs spells dans le tour, ce qu'on aimerait faire avec ce deck idéalement. Et ça crée des trésors qu'on peut sacrifier avec l'enclume, avec le fondeur du Sokenzan pour faire de la value. Très très bon. On peut se défausser de deux cartes en deuxième effet pour piocher deux cartes. Ça c'est simple, hein. vous piochez trop de terrain, vous en virez deux pour piocher deux cartes. Vous piochez pas assez de terrain, vous virez des cartes actives un petit peu moyennes, un petit peu moins bonnes dans le match-up pour justement aller chercher vos terrains. Et troisième effet, on a une 2-2 qui pour un mana s'engage et crée un jeton d'une créature non légendaire qu'on contrôle, excepté qu'elle a la célérité, sacrifier le jeton au début de la prochaine étape de fin. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? En fait, on veut. Alors, du coup, on ne copie pas des nattes, hein, on ne peut pas. On veut copier des à vol d'arène, des fonds enfin, de sokenzan, si vraiment c'est la dèche, mais surtout des moissonneurs. Parce que quand vous copiez les épicurins et les moissonneurs, vous allez refaire un jeton sang. Donc, c'est bien. Vous allez repinger de 1. Et euh, comme il a la célérité, vous pouvez créer une copie du moissonneur, sacrifier le moissonneur qui vient d'arriver, qui a la célérité, pour directement tuer une bête. Et du coup, ça devient pour un mana tous les tours, je tue une bête à l'adversaire. En plus, je fais un jeton sang au passage. Donc, quand vous avez okay. cette euh, combo, entre guillemets, c'est. Très très fort, c'est écrasant. L'adversaire, il a genre euh, 2-3 tours pour, euh, pour s'en dépêtrer, sinon c'est gain. Et encore maximum, quoi. C'est en puissant. Pas euh, le deck le plus simple à jouer, je vous avoue. Il y a plein de petits tricks que vous allez euh, pas forcément voir, même si là on vous en a donné certains. Euh, N'hésitez pas à re-regarder du coup les explications de la vidéo, bien vous imprégner, parce que euh, vous risquez de ne pas jouer comme il faut le deck. Euh, Ce n'est pas un deck agressif, même si vous pouvez, hein, si l'adversaire fait rien, vous posez des baies, vous attaquez. Mais vous voyez qu'il y a pas beaucoup de créatures. C'est un deck qui va en fait enlever des points de vie adversaires sans forcément attaquer. Euh, le but c'est de, de jouer le euh, de jeu des games euh, moyennement longs, on va dire, pour justement épuiser l'adversaire et gagner comme ça. C'est un course. deck qui est, qui est très récompensant quand vous le, quand vous le pratiquez beaucoup. Mais mmh. effectivement, il n'est pas facile à appréhender. C'est un deck budget qui va plutôt euh, s'orienter pour les joueurs qui reprennent Magic sur Magic Arena mais qui sont déjà très au fait euh, du gameplay et des règles de Magic. Si jamais vous découvrez Magic avec Magic Arena. Partez plutôt sur les autres decklists qu'on va vous présenter. Euh, pour essayer de résumer globalement le plan de jeu de ce deck-là, pour que vous ayez une visualisation du plan, c'est très important à Magic de savoir en fait ce que vous devez faire avec votre deck, plutôt que de lire les cartes une à une et de les jouer euh, dans un ordre aléatoire. Et c'est de comprendre un petit peu le, le grand enjeu de votre partie. L'idée de ce deck-là, c'est de créer plein de petites ressources, diverses et variées, de manière parfois accidentelle, qui sont des ressources qui sont toutes plus ou moins faibles. Vos créatures sont petites, vous avez des petits jetons sang. Des petits trésors, mais vous allez en générer plein, beaucoup plus que n'importe quel autre deck. Et grâce à d'autres cartes de ce deck-là, vous allez transformer toutes ces petites ressources qui sont vraiment pas très impactantes en menaces. Voilà, c'est le but de ce deck-là. Plein Exactement. de petites ressources et les transformer en menaces. Et ce deck-là le fait extrêmement bien. Exact. Alors dans la réserve, attention, euh, je les ai mis là simplement pour vous les montrer. Euh, pour la version non-budget, essentiellement, on met une meilleure mana base, puisque la mana base du coup n'est pas très très bonne là. Euh, on va rajouter euh, 4 sources sulfureuses quatre 4 contreforts hantés. Euh, C'est l'amélioration la meilleure que vous pouvez faire. Si vous avez quelques exemplaires de ces landes là, mettez-les à la place de certains basiques. Euh, si jamais vous avez des trilandes aussi, Barduxander ou salles de recrutement, vous pouvez les mettre. C'est euh, plus intéressant, je pense, que des stations de tramway, mais ne remplacez ouais. pas des basiques par ça. Euh, ça. mettez-les euh, à la place des stations de à la place, alors ça fait trois couleurs, mais en fait ça fait les deux couleurs qu'on a besoin, donc noir et rouge, donc la troisième on s'en fout, et ça se recycle pour trois manas, donc si vous le piochez plus tard, vous pouvez pour trois manas le défausser pour piocher une carte, c'est mieux qu'un land qui va arriver engagé et qui va vous, vous coller un peu à la main. Et euh, alors en carte active, l'ajout principal des versions non-budget, c'est l'Iliana du voile. Euh, alors on l'a pas mis, on l'a préféré au Nixilis parce que dans le plan de jeu, c'est bien meilleur. Mais l'Iliana a quand même un bon qui rentre dans ce plan de jeu d'attrition, qui va permettre de gérer des créatures d'une façon en plus en faisant en sacrifier, donc c'est bien. Euh, de défausser des cartes à l'adversaire. Nous, on s'en fout un peu de défausser des cartes, puisque une fois qu'on a 2-3 permanents, on peut faire de la magie avec sur le board. Euh, et on a Nat qui peut nous permettre de piocher des cartes en plus, donc ça c'est cool. Si vous avez des Liliana... Ouais. Vous pouvez en mettre un petit peu d'exemplaires, mais c'est vraiment pas obligé. Le deck marche très très bien comme ça. C'est juste pour Je vais... savoir. Je vais même plus loin. Si jamais vous jouez en Bo1, euh, Liliana c'est vraiment une carte qui brille, euh, notamment contre les decks contrôle et pas tellement contre les decks agressifs. Et en Bo1 sur le ladder, vous allez rencontrer beaucoup de decks créatures, beaucoup ouais. de decks agressifs. Et c'est vrai que c'est pas là où Liliana va le plus briller. Si vous les avez, rentrez-les. Mais c'est pas un top craft. Pas du tout pour ce deck-là. Pas voilà. du tout. C'est juste pour euh, pour situer. Ensuite, passons. Au Mont rouge. Le mono rouge, à chaque bonne vidéo budget qui se respecte, on a un bon deck agressif, facile à prendre en main, qui va tout droit dans la bouche et qui va vraiment bah, récompenser les nouveaux joueurs de krafter ce deck-là parce que vous allez vite monter sur le l'adder, gagner des parties et ça, ça fait plaisir. Et en plus, voilà, la prise en main est pas excessivement euh, euh, compliquée. L'idée, ça va être de poser des créatures, d'attaquer avec ou alors de jouer des spells qui vont servir ou à gérer les créatures de votre adversaire pour pouvoir faire passer vos attaquants, ou alors aller directement dans sa bouche pour faire tomber ses points de vie à zéro. Ça, c'est un plan de jeu que vraiment euh, tout le monde maîtrise quand il débute à Magic. Évidemment, c'est easy to learn, mais hard to master. Mais au point où on en est, euh, nous, on cherche surtout du easy to learn. Plus vous pratiquez et plus vous vous rendrez compte que ces decks agressifs mono-rouge ont plus de subtilité que, que ce qu'ils euh, qu ont l'air de, de renfermer. Ici, on a beaucoup de drop 1. Euh, qui sont euh, des, des drop 1 qui vont nous permettre de commencer à mettre une agression très rapide dans la partie. Notre, euh, notre ami Kumano affronte euh, Kakazan, qui est une des meilleures cartes euh, des stratégies agressives en ce moment. La première étape, vous allez mettre un dégât partout. Attention, ça met aussi un dégât au plein soccer de votre adversaire, donc très utile des fois pour finir les pleins soccer de votre adversaire. La deuxième partie, elle va permettre de buffer une de vos créatures. Elle va arriver sur le champ de bataille directement avec un plus un plus un. Donc ça se curve très très bien. La notion de curve, elle est très importante dans les decks agressifs, c'est-à-dire de jouer un tour 1 au tour 1, un tour 2 au tour 2. C'est ça qui est assez important. Typiquement, quand vous faites tour 1 Kumano affront de Kakazan et qu'au tour 2, euh, vous jouez la nouvelle carte qui est le Brandon, et eh bien en fait, votre Brandon, il arrive 4-2 dès le tour 2, ce qui fait que ça met beaucoup de pression à l'adversaire et que ça empêche une créature beaucoup plus grosse de bloquer. Dans les autres tours 1 qui sont assez impactants, on a notre ami le Poussin euh, de Phoenix qui lui va permettre ben, directement de commencer à rentrer des points, de rentrer des dégâts dans la tête de l'adversaire. En plus, il a le vol, donc il sera assez difficilement bloqué par les créatures sur le sol. Donc ça, c'est vraiment les cartes que vous voulez avoir dans votre main de départ, la batterie Lapin, le euh, Kumano et le... Poussin de phoenix, batterie de lapin, qui est juste une créature célérité, pareil, qui va rentrer des dégâts en début de partie et qui, en late game, peut permettre de se reconfigurer et d'équiper, par mmh. exemple, un poussin pour continuer à mettre des dégâts par les airs, typiquement si le board euh, est bloqué. Les autres créatures qu'on veut jouer, euh, eh ben, c'est euh, notre ami juste tout en bas, l'infanterie. Oui. L'infanterie électrostatique, qui est un 1-2 pour 2, qui a le piétinement. C'est-à-dire que du coup, les... quand il va être bloqué, bah, tous euh, les dégâts que euh, l'endurance de la créature de votre adversaire n'aura pas absorbé vont finir dans la tête de votre adversaire. Et ça, c'est super bien. Lui, à chaque fois que vous lancez un sort d'effet mort ou de rituel, il prend un marqueur plus 1, plus 1. On en a quelques-uns, notamment des blasts. Euh, donc, ça va permettre de le faire grossir au fil de la partie pour mettre beaucoup de dégâts. Euh, les autres tours 2 qu'on veut jouer, c'est le brandon, du coup, dont je vous ai parlé, qui marche très, très bien après Kumano. Lui, il est 3-1 pour 2, donc il a beaucoup de patates par rapport à son coup converti de mana. Euh, il permet à une créature adverse de bloquer, donc du coup de rentrer beaucoup de dégâts. Typiquement, la séquence tour 1 Kumano, vous avez mis 1 à votre adversaire. Tout 2 tour 2 Brandon, il arrive 4-2 parce que la deuxième effet lui a mis un marqueur plus 1, plus 1. Au tour 3, la saga Kumano se retourne. Vous avez un 2-2. Vous attaquez avec votre 4-2, vous empêchez la créature de votre adversaire de bloquer. Vous avez rentré donc du coup 6 dégâts plus 7. Enfin, plus un dégât le, le, le premier tour où vous avez joué Kumano, ben ça va très très vite euh, pour le coup cette séquence-là. C'est une séquence qui arrive assez régulièrement en seulement deux cartes, sachant qu'au tour 3, vous allez pouvoir jouer une carte supplémentaire. Ça pourrait être une chasseuse d'orage, une autre bête célérité ou un blast. Donc théoriquement, ce deck-là, quand il fait une bonne sortie, au tour 3, votre adversaire il a 10 points de vie et il n'a rien pu y faire. En tout cas, en... il n'a pas pu se protéger en posant des créatures pour bloquer. Et mmh. ça, c'est vraiment très, très fort. L'autre tour 2 qu'on peut avoir, c'est l'adversaire euh, assoiffé de sang. C'est une carte qu'on va jouer au tour 2 pour mettre de la pression, qui peut arriver 3-3 après Kumano, mais sinon qui sera 2-2 célérité. Euh, ça permet d'attaquer directement le tour où il arrive. Mais c'est une carte qu'on sera surtout très content de trouver en fin de partie. Parce qu'en fin de partie, cette créature, euh, vous pouvez la kicker. Enfin, c'est pas la kicker, mais c'est un peu comme un effet kick. Vous pouvez payer un certain nombre de mana. Pour pouvoir rejouer des euh, sorts de votre cimetière et notamment donc du coup des blasts pour finir euh, votre adversaire. Plus vous avez de mana à investir, plus la carte sera puissante. Donc c'est une carte qui est assez polyvalente, très bien en début de partie euh, pour agresser, très bien en fin de partie pour tuer votre adversaire. Mais c'est une carte si vous l'avez dans votre main, euh, euh, dans votre main de départ, jouez-la autour d'eux. Vous ne vous posez pas de questions. ce n'est pas grave qu'elle soit plus puissante plus tard. Elle ça. permet surtout de remplir les étages de la curve Et ça c'est important. en fait vous la jouez autour d'eux quand vous n'avez pas d'autres créatures à deux. Vous n'avez voilà. pas de bandon, pas d'infanterie. Meilleur, bien euh, vous mettez adversaire, mais si vous pouvez la garder un peu, euh, vous pouvez la jouer un peu plus tard, justement pour payer son coût euh, à 5 mana. Mais si jamais vous avez joué un tour 2 et qu'au tour 3 vous n'avez pas de chasseuse d'orage, vous pouvez quand même la jouer tour 3. C'est pas grave. Juste que tant qu'on n'a ouais, ouais. pas besoin de la jouer, on essaie de la garder en main pour faire un truc mieux plus tard. Sinon, on la joue. Euh, la, le but, c'est de gagner. Il n'y a pas ce côté acte manqué. Oh, J'aurais pu la garder pour faire ouais. un truc plus fort plus tard. Non, mono-rouge, c'est un deck qui veut mettre fin à la partie rapidement. Si jamais vous ne jouez pas vos cartes pour faire un truc plus fort plus tard, il n'y aura pas de plus tard parce que vous aurez perdu la partie. C'est ça, ça le, le, le délire de mono-rouge c'est de tuer vite. Mmh. Si vous ne tuez pas vite, vous tuez plus. C'est un petit peu ça un l'idée. Euh, une des meilleures cartes du deck, bah, c'est le drop 3. C'est notre chasseuse d'orage imprudente. Elle, elle arrive euh, en célérité. Pareil, elle buff les autres créatures. Elle met des dégâts. Si votre adversaire est un peu timoré et joue pas de sort, et bah, il se transforme en un loup-garou plus puissant qui met plus de dégâts. Ça donne célérité aux peu de créatures de notre deck qui ne l'ont pas. Je pense au Brandon et à l'infanterie. Donc, c'est un petit upgrade en plus. Et puis, et puis voilà, à côté de ça, on a des sorts, des sorts qui vont nous permettre du coup de mettre des dégâts supplémentaires. Je pense au Blast, on en a 8 les quatre s'amusent avec le feu, qui vont à la fois dégager les bloquants de votre adversaire ou alors euh, aller dans la tête. Ensuite, on a Lightning Strike, qui est un super sort pour deux mana investis vous allez mettre trois blessures n'importe où. Euh, N'hésitez pas à tuer des plaines soccer avec ça, hein. ça, ça va sur les créatures, dans la tête de votre adversaire au besoin et aussi dans les plains soccer ça peut être intéressant ça peut être important un autre spell qui va participer à mettre beaucoup de dégâts c'est la colère ancestrale qui en plus a le bon goût de se recycler quand vous la jouez vous repiochez une carte qui est plutôt bien pour entre guillemets, la, la value que, que, que génère votre deck. C'est un deck qui vide très rapidement sa main, mono-rouge. Donc, on est très content d'avoir des cartes qui font repiocher des cartes. Et ça, vous avez compris, ça met d'abord plus 1, plus 0. Quand vous jouez le deuxième, ça met plus 2, plus 0. Et ainsi de suite. Parce que bah, il se buff en fonction du nombre de colères ancestrales que vous avez dans votre cimetière. Donc, ça, en fin de partie, bah, ça peut mettre beaucoup de dégâts. En plus, sur une bête célérité, ça peut vraiment venir de nulle part. Et donc, du coup, tuer votre adversaire alors qu'il se croit. Euh, entre guillemets à l'abri. Et la dernière carte qu'on a mis dans ce deck-là, euh, c'est une carte qui ne sera peut-être pas évidente à jouer pour les nouveaux joueurs, mais vous devriez vite prendre le coup quand même. C'est une carte qui, pour deux mana, vous permet d'exiler les deux cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Ce n'est pas grave si vous ne les jouez pas au tour où vous jouez la carte. Vous avez aussi l'occasion de les jouer le tour d'après. Donc n'hésitez pas, typiquement, si vous n'avez rien à faire autour d'eux, ce n'est pas totalement incohérent de jouer cette carte-là et de profiter de ses bienfaits seulement le tour d'après. Euh, ça participe aussi à grossir l'infanterie, donc du coup à avoir un compte de euh, sorts non-créatures euh, plus important, et ça marche très très bien avec l'adversaire assoiffé de sang en fin de partie, parce que vous allez pouvoir rejouer cette carte de votre cimetière pour euh, reavoir des cartes dans votre main et peut-être essayer de tuer votre adversaire. Donc voilà, oui. un deck pas trop dur à piloter, qui va tout droit, qui essaye de gagner les parties rapidement. Euh, ce qu'on vous fait crafter en rares dedans, il y a euh, 8 rares et 4 mythiques, euh, et ben, bah, c'est des cartes que vous allez recycler dans d'autres decks qui sont très puissantes. Et en plus, Monorad, bah, c'est un deck qui a vocation à s'améliorer, vous pouvez le rendre un peu meilleur avec certaines cartes, euh, si jamais le, le plan de jeu vous plaît. Oui, si jamais euh, vous êtes vraiment vraiment budget, euh, qui vous manque du coup euh, parmi les rares et les mythiques des, euh, des cartes, vous pouvez rajouter deux infanteries, deux impulsions téméraires euh, pour combler, ça remplacera quatre cartes. Au-delà de ça, si vous en manque encore... Ça va être un peu compliqué et si vous pouvez crafter une partie mais pas tout, euh, chasseuse d'orage imprudente c'est vraiment le craft prioritaire parce que ça permet de, de mettre la pression et, et que c'est euh, une excellente carte qui buff vos poussins oui, par bien exemple bien pour mettre les derniers points etc. Euh, et euh, ensuite parmi ces deux-là, je dirais que le Brandon est plus important que l'adversaire notamment pour le Kumano. Pour la séquence avec Kumano. Bien mais bien sûr. vu que c'est une rare et l'autre c'est une mythique. Si vous avez le choix, ce sera plutôt entre les deux, donc entre les deux, plutôt la chasseuse quoi. Très très, très très bon ce deck. C'est le deck qu'on recommande le plus parmi les trois decks qu'on présente aujourd'hui. Si vous voulez euh, Rosser en ladder en version budget. Euh, il est vraiment pas loin du tout d'une version compétitive. Euh, et la version compétitive, en fait, euh, on vous la montre pas. Euh, mais bon, vous pouvez la trouver sur des sites de résultats de tournoi. Parce qu'en fait, justement, il y avait une carte un peu plus complexe à jouer. C'était un petit peu plus late game, mais vite fait. Et euh, on trouvait que quand on commence le jeu, quand on veut jouer budget, c'était un peu moins évident. Et qu'au final, ouais. d'avoir une version meilleure ça allait peut-être vous desservir, euh, notamment pour la prise en main. Donc on vous présente cette version budget, mais euh, rassurez-vous, par rapport à la version du coup euh, non budget, il ne manque pas grand-chose. Et petit bonus, si jamais vous en avez un, je ne sais pas s'ils en donnent un, Sokenzan, vous pouvez mettre un Sokenzan à la place d'une montagne, c'est gratuit. Voilà. ça n'en me mettez pas, pas, de pas deux, évidemment. mais un, vous pouvez le mettre, c'est free. Et vous pouvez également le mettre dans je, les autres decks. Je précise pour essayer de cibler correctement l'audience de cette vidéo. Anvil Budget, le premier deck qu'on vous a présenté, ça s'adresse plutôt à quelqu'un qui commence Magic Arena. Le deck qu'on vient de vous présenter, le mono rouge, il s'adresse à quelqu'un qui commence Magic. Vous saisissez la nuance. Quelqu'un qui commence Magic Arena, c'est quelqu'un qui peut être déjà très compétent à Magic, mais qui n'a pas envie d'investir d'argent sur Magic Arena, et qui du coup veut se crafter un deck puissant pour peu de deniers, entre guillemets. Euh, mais ça demande un niveau de compétence, en tout cas un niveau de maîtrise un peu plus important. Là, ce monorail, si vous découvrez Magic, il est vraiment fait pour vous. Ouais. Et là, on bon. va vous présenter du coup cool l'entre-deux avec ce deck Izette. C'est ça. Alors, celui-là, euh, un petit peu euh, comme le deck. Euh... Euh, comme le deck Envil or Ragdos, euh, un petit peu complexe à jouer. Et en même temps, vous retrouvez une base de cartes que si vous avez crafté le mono rouge, vous les avez déjà, donc pas, ça ne vous coûte pas grand chose de, de partir sur cette version là. Euh, c'est un deck tempo agro Donc on va temporiser l'adversaire, juste en fait l'empêcher euh, de faire euh, des bêtises au début de partie pendant que nous on en fait. Et quand il va commencer à être développé et à pouvoir euh, être en place, en fait c'est trop tard. On veut gagner avant ce, ce moment-là, ou alors le finir avec des blasts, un peu comme le mono-raid, quand on ne peut plus passer avec nos créatures. Mais nos créatures, l'avantage, c'est qu'elles peuvent plus facilement passer que nos rouges. Mais elles sont un petit, ouais. peu, un petit peu moins agressives, on a un tourin de moins notamment. Euh, donc bon, vous retrouvez la base rouge que vous avez dans l'autre deck, euh, que vous retrouvez qu'on ne va pas représenter. L'ajout du bleu, qu'est-ce que ça fait Ça nous permet de jouer Balmor, qui, qui est, est une unco qui est excellente. C'est une 1-3 pour 2 vols. Donc les stats sont super bien. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1, plus 0, toutes les créatures, hein, même lui. Et le piétinement, Donc c'est la fin du tour. Bon, lui, il vole déjà, mais quand ça vole avec sa piétine, c'est vraiment dur de bloquer les dégâts. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on a moins de créatures mais plus de sorts, on va essayer de capitaliser sur les 2, peut-être 3 créatures qu'on a sur le champ de bataille. Utiliser Balmor avec 2, 3, plus de sorts si vous en avez. Et, euh, et vraiment faire une phase d'attaque quasi létale. Voire même létale très très vite. À côté de ça, la seule rare du deck, hormis celle qu'on a mis en terrain, c'est le déchiqueteur de registre. Si vous n'avez pas le déchicteur, que vous ne pouvez pas le crafter, il faut que j'ai deux doubles fonds à la place, mais c'est quand même pas mal d'avoir des déchiqueteurs de registre. C'est une 1-3 vol pour 2. à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour, le déchiqueteur de registre connive. Donc vous allez piocher une carte, défausser une carte, et vous mettez un marqueur dessus si c'est une carte non-terrain. Attention, ce deck, il se joue avec le déchiqueteur d'une façon un peu différente du déchiqueteur classique. D'habitude, on veut défausser une carte non-terrain. Pour mettre un marqueur sur des cheaters là, pas forcément. Là, on veut vraiment avoir plein de cartes actives dans ce deck. Donc, si vous avez trop de terrain, ne défaussez pas une carte active pour mettre absolument un marqueur dessus, sauf si vous avez besoin. Euh, défaussez un terrain, c'est pas grave. Le but, c'est qu'il nous ait fait piocher des fossés, c'est pas qu'il ait pris un marqueur. Et en plus, il marche sur les sorts de notre adversaire. Si l'adversaire lance deux sorts, il nous fait piocher 10 cartes. Donc, vraiment. Très très bon ce déchicteur. Et euh, soyez content de pouvoir le jouer pour seulement deux Jokers sur Arena parce qu'en papier, ça vous coûterait euros d'en avoir deux. Donc, avantage Et... d'Arena. Deck vraiment très très budget du coup euh, euh, sur Arena. Si vous avez plus de déchicteurs, vous pouvez en jouer plus, même si c'est pas le but. Vraiment. Nous, on en a mis deux. Ouais, c est, c est, pas dans une, une version au budget. Quoi. Pas excessivement agressive et donc ouais. du coup qui euh, colle pas parfaitement à l'identité de ce deck là. On a mis la carte parce qu'elle est juste puissante individuellement, mais c'est vraiment pas un, un, un top craft. Même si vous l'avez ouais. pas, le deck est tout à fait jouable. Ça. Voilà, c'est vraiment l'important c'est Balmor et c'est une Unco. Donc si vous avez pas d'Unco, bon allez farmer, faites des petites quêtes parce que vraiment là c'est galère. Et euh, l'autre rare c'est Brison Chivant. On a besoin de mana coloré pour jouer nos spells. Euh, vous voyez, il y a. Quasiment aucun spell, enfin un peu de drop 2 qui ont besoin de mana euh, de n'importe quelle couleur, mais sinon il faut toujours un mana coloré bien précis. Donc euh, il vous faudra des fois deux rouges et un bleu dans le même tour pour pouvoir lancer vos sorts ou deux bleus et un rouge, etc. Ça dépend. Du coup, brisant chivant vous aide à lancer ça et les points de vie on s'en fout. Nous on peut finir la game à un point de vie tout le temps. Euh, il faut juste pas qu'on meure. Donc c'est ouais, vraiment une ressource. Ça pour le coup, même si les landes d'habitude on dit c'est pas grave de pas les crafter et tout, même si c'est important, dans ce deck c'est très important d'avoir les Brison chivant donc si vous ne pouvez pas les crafter, c'est dommage. Ça marchera quand même le deck, mais vous allez perdre des parties des fois parce que vous avez pas les bonnes sources de couleurs. Donc c'est important d'avoir des brisants chivants. Et si vous avez quelques côtes sculptées par la mer, vous pouvez en rajouter une ou deux. Pas forcément en jouer quatre. C'est un terrain qui arrive dégagé. Et si vous avez au moins deux terrains déjà sur champ de bataille et qui fait du bleu et du rouge. Euh, si vous en avez une ou deux qui traînent, vous pouvez aussi rajouter à la place de basique, pas de brisants chivant. Ouais. Qu'est-ce que fait ce deck du coup bon, On l'a déjà euh, expliqué en gros. Euh, vous allez du coup mettre du board avec Kumano, Poussin de Phénix, euh, Infanterie, excellente carte, peut-être euh, la meilleure après Balmor dans le deck. Défiqueur et Balmor évidemment. Puis vous allez euh, lancer des sorts comme Scruter, vous euh, piochez une carte, enfin vous regardez la carte du dessus, vous pouvez la mettre au cimetière, piocher une carte. Espoir, vous l'utilisez, vous renvoyez une créature adverse dans sa main, et si elle coûte 3 au moins, vous faites un regard 1. couleur ancestrale, vous buffez une de vos créatures, vous piochez une carte. Euh, s'amuser avec le feu, frappe foudroyante, bim, ça va dans la gueule, ça tue une bête. Double fournaise, pas mal du tout, avec un artwork en plus méga stylé pour deux. Soit quand vous lancez votre prochain sort d'éphémère de rituel, vous le copiez, vous pouvez choisir une nouvelle cible pour cette copie. Donc vous allez faire par exemple deux fois frappe foudroyante, c'est une frappe foudroyante de plus, un hein, s'amuser avec le feu de plus. Soit une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ce qui veut dire qu'elle va infliger deux fois ses dégâts. Donc quand on a Balmor en jeu, ça va mettre plus un plus zéro à notre borne et une de nos créatures va frapper deux fois qui peut faire des dégâts assez monstrueux, notamment avec une infanterie électrostatique, si vous allez lancer plusieurs spells. Euh, comment on choisit quel sort faire Bah en fait, si vous avez frappe foudroyante, c'est très souvent plus intéressant euh, de doubler une frappe foudroyante, parce que du coup pour deux vous allez mettre trois. Par contre, si vous n'avez pas frappe foudroyante, c'est souvent plus intéressant euh, de euh, donner la double initiative à une créature. Ouais, mais euh, en fait il faut surtout se demander si pour deux manas, tu mets plus que trois ou pas genre ouais. même si t'as une frappe foudroyante si jamais en donnant la double initiative tu mets beaucoup plus que 3 il, il vaut mieux donner la double init c'est ça mais disons que pour mettre plus que 3 faut avoir un, une infanterie euh, pas mal boostée euh, un bal mort rire plusieurs fois du coup la ouais, mais en fait, ce qui est intéressant c'est que ta colère ancestrale qui va très très bien fit avec la double fournaise parce que genre colère ancestrale avec un bal mort sur le board ça va donner plus 1 plus le buff de bal mort euh, plus toi quand tu joues la double fournaise tu donnes double init euh, là tu mets des dégâts c'est stratosphérique hein. Oui, ouais, ouais, mais tu vois, du coup, si t'as fait que ça, t'as fait plus 1, donc il est à deux. Tu joues un spell, il est à trois. Donc au final, c'est pareil qu'avoir doublé une frappe foudroyante, sauf que, que t'as pas... aussi qui trigger. Ah oui, si t'as as mort, en plus sur le bord. Oui, oui, j'avais oh, pas, ouais. pas, entendu. pas entendu. T'as tu, l'étales tu tu, 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 le, Effect... tu ton adversaire. Effectivement, ouais. Mais bon, du coup, dans tous les cas, c'est assez simple de, de calculer euh, ouais, mais... ce spell là. Euh, et euh, en fait, le but c'est d'avoir ballement en jeu d'avoir des sorts que vous avez gardés, ne cherchez pas tout le temps à jouer tour 1, Ah j'ai scruté, je le joue. Faites ça que si vous avez euh, un manque de créatures, euh, si vous n'avez pas de Tour 2, etc. Bon, si vous n'avez pas de créatures dans votre main de départ, ça dégage. Euh, ça. On ne garde pas une main qui n'a que des sorts. Même si vous dites ah ouais, mais j'ai des scrutés pour piocher, j'ai des frappes. Pour... Non, si vous n'avez pas de créatures, Kumano compte comme une créature, mais vraiment, si vous n'avez que Kumano, c'est léger. Euh, Il ouais. faut vraiment avoir des créatures en jeu euh, dans votre main. Et si vous en avez qu'une, genre que c'est qu'un poussin de phénix. Pareil, c'est un peu léger. Allez chercher une créature à deux, infanterie, déchiqueteur, mort. Vous en avez dix, donc c'est quand même assez simple d'en trouver une. Ou bien deux créatures. Si vous avez deux créatures à un, vous avez un coumano, à poussin, ça va. Vous pouvez faire des trucs et vous allez trouver les autres normalement. Mais c'est super important, vraiment, j'insiste là-dessus, d'avoir des créatures dans votre main de départ. Sinon, c'est game en fait. Vous allez dire, ah ben j'ai pioché un peu, j'ai mis des blades, j'ai perdu. Bah ben ouais, parce que c'est les créatures ben ouais. qui gagnent. C'est pas ben les sorts en fait, malheureusement. Par contre, une fois que vous avez les créatures, les sorts deviennent autrement plus puissants. Euh, comme vous allez faire, tiens, pour un mana, je te renvoie ta bête. Euh, pour un mana, je te mets deux face. Je regarde un. Euh, J'ai mis plus de plus 0 à mon board, j'attaque. Juste en jouant deux spell. Si vous aviez fait un Kumano. Euh, genre vous faites Kumano tour 1. Balmort tour 2 qui va prendre son marqueur. Du coup, il arrive de 4. Tour 3, vous retournez, vous avez une de 4, une 2-2. Vous faites euh, triple spell. Donc euh, s'amuser avec le feu, scruter, espoir, vous renvoyez un bloqueur. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ouais. avec s'amuser avec le feu. Plus la pioche. Plus espoir volatilisé. Vous avez utilisé Et... seulement deux créatures. Donc Et si dans ça. ton équation, tu as double fournaise, je pense que tu peux trouver le létal euh, à ton adversaire. Ouais. Vous avez potentiellement létal. En tout cas, avec double fournaise, c'est très facile de tuer tour 4. Euh, si vous avez fait euh, Kumano dans Balmor, par exemple, si vous n'avez pas double fournaise, vous le mettez à pas beaucoup de points de vie. Mais comme on a 4 peaux d'Orient, 4 s'amuser avec le feu. Vous allez et pouvoir finir. Des doubles fournaises qui peuvent copier aussi potentiellement ça. Vous allez pouvoir finir. Et Kumano aussi met un point de dégâts à distance. Donc ça peut être le petit point qui manque. C'est euh... vraiment un très bon deck, mais ça nécessite un peu de pratique. Euh... Ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Euh... Typiquement, vous avez une infanterie, vous jouez tous vos sorts pour la faire grossir. Bah, si on vous la tue, vous n'avez plus rien. Donc attention, vous faites si vous avez infanterie et que des sorts, vous faites infanterie, un sort j'attaque. Euh... Ou alors j'attaque et je fais un sort en éphémère. Euh... Parce que du coup, vous pouvez le grossir. Que votre adversaire a déjà bloqué, c'est trop tard. C'est important de garder ses ressources dans ce deck si vous ne pouvez pas avoir l'étal. Ça sert à rien de tout dépenser pour le mettre à deux. C'est à vous de juger si votre adversaire va avoir de l'interaction en fait. Si mmh. vous jouez contre un deck interactif, c'est à vous de manager vos ressources intelligemment. C'est à dire contre un deck très interactif, double fornaise, ça copiera toujours un sort. Ouais. Pourquoi Parce que Donner double initiative à une créature qui va prendre un anti bête c'est un spell qui est perdu. Même si vous mettez beaucoup plus de dégâts, si le contexte n'y est pas propice, eh ben, vous ne donnez pas la double initiative. Mmh. Et donc, du coup, ce deck-là, il va vous demander d'apprécier euh, à quel point votre euh, adversaire est interactif. Si vous jouez contre Ragdos Midrange, eh ben, ça va être très difficile euh, de mettre tous vos yeux dans le même panier, d'essayer de donner la double initiative, parce que votre adversaire, il a plein danti bets Par contre, si vous jouez contre Mono Vert, avec que des pâtés, vous en foutez. Vous mettez tout dans le même panier, vous bourrez, vous mettez double initiative sur vos bets. il n'y a aucun souci, parce que ce deck-là n'interagit pas. Mais ça, exact. ça vous demande un peu de pratique et de connaissance de format. Ce deck-là, il s'adresse à ceux qui aiment bien euh, les calculs, un petit peu les mathématiques pour le coup, euh, et euh, ceux qui voudraient un plan de jeu, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus exotique que Monorail, pour le coup. Mmh. Mais ça ne demande pas autant, à mon sens, hein, de pratique et de maîtrise que Ragnosanville. Ouais. Ce deck-là, est-ce qu'il y a une version non-budget Pas vraiment, c'est pas un deck Arrèlement. vraiment de la méta, mais en fait, euh, les bonnes cartes qu'on veut jouer dans ce deck euh, sont budget, naturellement. On n'a pas euh, essayé de faire un deck vite fait avec ce qu'on a. On l'a dit dès qu'il y avait les reveals qu'on ont commencé, on a vu Infanterie et Balmant, on s'est dit « Ok, il va y avoir un spell. Euh, euh, qui va être jouable en version budget c'est ouais. sûr et c'est le cas du coup pour le coup euh, on n'a pas besoin de, de beaucoup chercher euh, c'est un bon deck franchement mais voilà si jamais euh, même si vous allez pouvoir réutiliser brise en chivant le déchiqueteur ailleurs c'est pas un deck que vous allez améliorer plus tard en deck euh, plus puissant ou quoi vous allez euh, pouvoir un petit peu notamment sur la mana base mais très peu donc si vous voulez un deck que vous pouvez jouer, continuer à jouer, améliorer, c'est plutôt les deux autres decks. Euh, le mono rouge d'ailleurs, si vous le craftez en l'état, vous n'avez quasiment pas besoin de l'améliorer euh, pour avoir une version définitive. Si vous par contre vous voulez, comme Dival, un plan de jeu alternatif sympa, qui vous met un peu au challenge, genre si jamais vous êtes joueur de cartes, mais pas joueur de Magic, juste vous vous mettez à ce jeu et vous dites, ouais, mais moi je sais jouer aux cartes, même si je ne sais pas jouer à Magic, j'ai envie de, de me challenger un peu, jouez ça. Vous allez voir que quand vous gagnez des games sur le fil parce que vous avez bien compté, vous avez bien pré-shot, ce que vous pouvez piocher, etc. Vous avez creusé avec vos regards 1, hein, vos pioches et tout. Le sentiment, mais il est exceptionnel. Par contre, bah, il y a d'autres fois. Très de gagner avec ça. Ouais. Les autres fois où vous allez jouer contre des d'os ou mono noirs qui ont plein danti Vous allez avoir une ou deux bêtes point de départ, ils vous les tuent, vous en piochez plus, vous avez perdu la game. Faut le savoir aussi. Bien euh... sûr. Et si vous êtes tenté de jouer des, des contre des perce sorts pour protéger vos bêtes ou quoi dedans... Ne faites pas ça parce que les contre sorts, ça marche pas avec notre plan de jeu. C'est des sorts qu'on ne peut pas jouer si l'adversaire ne fait rien. Et du coup, ça va vous coller à la main, ça va pas marcher. Donc n'essayez pas. Ou ouais. alors vraiment, vous Allez. rencontrez que des ragdos tout le temps. Et dans ce cas-là, vous, vous avez le droit de mettre deux paires sorts. Mais sinon, vous ouais. ne faites pas ça. Si vous cherchez des decks budget, ça veut dire que vous débutez sur Magic Arena. Globalement, ça veut dire que vous serez sur un ladder où vous rencontrerez pas euh, de decks Ragdos, Ne vous inquiétez pas. Normalement, c'est pas, puis... pas le cas. Une fois que vous aurez bien farmé avec vos decks budget, et eh bien là vous crafterez les decks ragdos. Voilà. C'est ça. Et si vous commencez à rencontrer des decks qui vous euh, détruisent parce qu'ils ont plein de rares, etc., dites-vous que c'est parce que le jeu considère que vous êtes bon et que vous avez trop pété la gueule aux autres. Donc c'est en fait, voilà, le moment. C'est le moment. Il y a un plafond de verre qu'il faudra briser en passant sur des decks pas budget. faut faire autre chose, faut changer de deck, des decks moins budget, etc. Et pour ça, il y a toutes nos autres vidéos. Merci à tous. Sa vidéo était un peu longue pour des decks budget, 40 minutes environ. Mais on vous a fait une deck tech euh, très complète des trois versions. Et je suppose que vous n'avez pas forcément tout regardé. En plus, vous êtes certainement déjà parti en plus. Mais pour ceux qui sont encore là, euh, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Euh, plaisir dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées d'amélioration des decks, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Surtout si vous les avez testés euh, pour dire ce que ça a fait pour vous. Et dites-nous euh, du coup si vous avez. Euh si vous êtes passé un certain rang avec ces decks là, ça nous intéresse aussi. Il y a beaucoup de gens sur les decks budget qui reviennent nous dire Ah j'ai crafté tes decks, j'ai cassé la gueule à tout le monde, ou alors ah ben j'ai crafté ce deck là, j'ai eu du mal, euh, machin, est-ce que vous auriez des conseils ou quoi Il y a des gens qui pourront vous répondre en commentaire, ou alors vous pouvez aller le dire directement sur notre Discord qui est dans la description. Plein de beaux Merci. magiciens euh, et de bons magiciens qui pourront vous aider. Magiciens et magiciennes évidemment, euh, qui pourront du coup vous donner des conseils euh, et répondre à vos questions si vous en avez. Pouce bleu si vous ne l'avez pas fait. Nos réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Volpel Magic Arena FR. et surtout n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.